Listen up. It starts here. This is where we rebuild the Star Union. First reports say no activity in sight. Guess you won't get a chance to try those new cannons after all. Reporting back to base. Incoming hostile activity. Begin reheating the frozen colonists. Everybody, we're heading out. After 200 years of cryo sleep, you better have a lot of energy. Keep your visors peeled. I'm starting to have a feeling we're not alone. Chase, take a look at this. What a cool flower. Great. Pick it up and send it to your mother. Chief, whoa! Enemy troops dead ahead! Shit! Stand down, or we'll squash you like insects. You would die for a fallen empire? No more! Drop your weapons and dismount that dinosaur! Right now! Never. The empire you serve is long gone. You freed yourself. You listen to her, and that is the last thing that you'll ever hear. Don't let him control you again. Surrender! If you want to live, in 5, 4, 3, 2, 1! Travis Gunter, entrée numéro 4. Les expéditions sur les sites anormaux continuent. Et j'envoya mon officier célestien sur l'éclat solaire pour voir ce que cela allait donner. Et à ma grande déception, cela ne donna absolument rien. Pourquoi on ne peut pas toujours avoir de bonnes théories. Chose très inquiétante à relever en ce début d'entrée, il semblerait que nos Drax utilisent le Xénofléau pour contrôler les unités des autres races de la planète. Nous remarquions près de notre ville du syndicat à côté de la ville des Spacers, une ville Amazon gardée par des membres de l'avant-garde contrôlée par des parasites du Xénofléau. Il va falloir régler cette affaire avant que cela ne se répande sur la planète. Autre événement à signaler, bien que moins dramatique, bien plus surprenant, le syndicat de Sina rompt pas son alliance avec nous. Grand bien leur fasse, cela ne va pas les enrageant. Sur notre site de fouille, les experts ont découvert un engin des forces spatiales portant un signe étrange. Nous pensions qu'il appartenait à un vieil empereur de l'époque de l'Union stellaire. Chose intéressante, à l'intérieur de l'engin, nous avons trouvé des cryopodes contenant des soldats d'élite de Tolian, encore suspendus en cryo-sommeil. Dans le cockpit, nous avons découvert l'enregistreur du vaisseau, mais sa puissance est tout ce qui permet aux cryopodes de fonctionner. Nous utilisions donc nos contacts du Paragon pour nous aider à ouvrir ces cryopodes, et ces derniers se sont exécutés, libérant de leur cryosommeil deux soldats d'élite du Paragon qui ont accepté de rejoindre notre cause. Nous avons aussi découvert un enregistreur qui pourrait contenir des données sensibles, et donc nous avons décidé de les récupérer afin d'en savoir un peu plus sur le Paragon. De leur côté, nos robots éclaireurs continuent leur mission et découvrent de nouvelles colonies de l'avant-garde qui acceptent de nous rejoindre, aux quatre coins du globe. J'envoie une petite unité vers le sud de la capitale pour éliminer un groupe de barbares spacers pour le compte du Paragon et retourne ensuite sur mes investigations, où l'on découvrit que l'enregistreur de données contenait nombre de notes intéressantes sur les données que le Paragon d'aujourd'hui trouverait désagréables si elles étaient rendues publiques. Les Paragons sont devenus étrangement proches de nous, car ils savaient que nous connaissions plusieurs de leurs secrets. Cela s'avérera très utile, mais ça ne leur plaisait pas pour autant. Dans le même temps, nos voisins de l'avant-garde du Nord nous aidèrent à éliminer un petit groupe de bandits rebelles qui se trouvaient près de la ville de Roverton et de la capitale du Paragon. J'envoyai une petite unité prométhéenne pour les soutenir dans leur attaque.
down. Operations ready. Les bandits utilisaient quand même une puissance de feu remarquable, ce qui me faisait penser que nous devrions peut-être nous en inspirer et améliorer nos troupes dans un avenir très proche. Enemy annihilated. Enemy destroyed. Enemy destroyed. Enemy killed. Our forces are victorious. Quoi qu'il en soit, les troupes d'Emmy avaient fait du bon boulot. C'est bien parfois de pouvoir compter sur les autres. Et ça nous permit aussi de récupérer un otage dans leur possession qui rejoignit la ville de Roverton. On fut quand même intrigué par la possession d'une créature du Xénofléau par Amy. On savait qu'elle avait pris le contrôle d'un laboratoire du Xénofléau, mais de là à en avoir une créature sous son contrôle. Enfin bref, si elle sait ce qu'elle fait. Comme à son habitude de son côté, l'unité à Doug fut du très bon travail et élimina les Spicers pour le coin du paragon. Il localisa par la suite un complexe prométhéen envahi de pillards équipés de technologies nous revenant au roi. Il était blessé, mais il fallait qu'il revienne pour nettoyer ce complexe plus tard. De son côté, l'officier Teresa continua son exploration de la planète et découvrit un nouveau site anormal sur lequel enquêter. Plus tard, nous découvrions, juste à côté de la cité du Paragon à l'est de nos frontières, une ville de Dwarfs. Les Dwarfs sont de très bons constructeurs, leur aide nous serait très utile s'ils acceptaient de rejoindre notre empire. Mais ces derniers refusèrent, et je dois avouer avoir eu des idées noires. Nous aurions pu les forcer à nous rejoindre, mais cette cité n'est pas notre priorité. Et évidemment, il ne fallait pas oublier les autonomes. Le corps nous a envoyé des petites vagues de robots pour nous attaquer. Mais pas de bol, sur leur chemin se trouvait ma propre personne. Et nous allions détruire ces machines. Et ce fut l'occasion rêvée pour tester les modules de flammes que j'avais récupérés quelques mois plus tôt, ainsi que de voir la puissance de feu de nos élites du Paragon. Operations available. Enemy killed. Enemy killed. Nous avions réussi à éliminer un petit groupe qui s'était séparé du reste de la compagnie du corps. Enemy killed. Our forces are victorious. Grâce à ce petit plan ingénieux, nous avons l'avantage sur les envahisseurs. Et nous ne tarderons pas à détruire toutes les machines des autonomes. Et autre part dans le monde, on a appris que Nodrax continue à déclarer la guerre à toutes les factions qui se trouvaient sur le globe. Et cette fois-ci, c'était au tour de Trevor d'en faire les frais.
Les oubliés, quant à eux, nous demandaient encore un petit service. Ils voulaient qu'on fonde un monument à leur victoire en échange d'une arche des héritiers en mauvais état. Mais même en mauvais état, elle pouvait être utile, donc nous acceptions. En parlant d'héritiers, le groupe Adoug par la suite prit un sanctuaire justement des héritiers, pour notre compte. On tenta aussi d'envoyer des espions au syndicat de Aiko, mais ces derniers se furent prendre et par la même occasion nous dénoncièrent. Du coup, ça allait pas aller en s'arrangeant pour notre réputation. Mais ce n'est pas grave, vu que la réputation d'Aiko n'était pas haute, ça allait pas nous faire plus tâche que ça. Leur fouille les mena vers deux portes qui étaient encore fonctionnelles. Et derrière ces portes se trouvait un groupe de pingouins jouant à des jeux de hasard. Et du coup, l'unité se prêta au jeu, gagna et reçut en récompense un œuf. Je pris le rapport pour ce qu'il était. Il y a assez de choses bizarres sur cette planète. Vous pouvez imaginer qu'il y a des pingouins qui font du poker. Sur ce, je demanda à Teresa de revenir vers nos frontières afin que l'on voit ça plus en détail. Dans la suite des choses, l'expansion continua. Nous continuons les fouilles sur les sites anormaux ainsi que à le repérage des frontières ennemies. Je décida aussi de créer un nouveau groupe de soldats. Ceux-ci seraient équipés de munitions explosives, d'armures de protection contre les flammes et de modules d'aide et d'amélioration à la visée. Peut-être légèrement moins résistantes que nos unités taser, mais extrêmement plus puissantes au niveau de la puissance de feu. Nous sommes au cinquième mois de la septième année après la chute planétaire. Et chose incroyable et très décevante s'est produite. Le syndicat de Aiko a acheté la loyauté de Meria, qui était désormais son vassal. En quelque sorte, notre ancien allié est devenu le chien d'un de nos pires ennemis. Mais peu importe. De notre côté, nous tenions nos engagements auprès des oubliés, et ces derniers tenèrent leur engagement auprès de nous et nous offrirent une arche, en ruine mais une arche quand même. Sinon, pas grand chose à dire sur les fouilles de Samuel à ce moment-là. Il avait juste découvert que c'était un site héritier et continua de faire ses recherches. Chose très importante pour notre plan. The Xenoplague must be incinerated completely. We will boil the seas and cremate all living things potentially exposed to this scourge to prevent its spread across the galaxy. Kansu, the Burning Emperor. Nous avions enfin commencé nos recherches sur la purification par les flammes prométhéennes du Prix, et plus précisément la purification du Xénofléau. De son côté, Samuel avait enfin fini ses recherches et reçu un petit présent un peu mystique des héritiers. Pas aussi mystique que l'œuf qu'a reçu Teresa, mais mystique quand même. Quant à ce qui est de mon unité, nous avons découvert une grande surface de béton semblable à une rue en construction. Les capteurs ont repéré une grande cavité sous l'épaisse surface de pierre. Nous avons dégagé une entrée pour accéder à cette cavité. Et là, en descendant dans la structure en ruine, notre groupe a été englouti par les ténèbres. Il y a les projecteurs des drones enregistreurs, nous passons devant des fragments d'eau et d'armes cassées. La signature énergétique de nos scanners et des drones s'affaiblit. Nous arrivons près d'un wagon dans une sorte de gare souterraine. Il était solidement verrouillé. Nous avons donc cherché un moyen de contourner l'obstacle, mais au final nous avons essayé d'utiliser la force pour entrer dans le wagon. Nous avons essayé de lancer quelques tirs bien placés, mais malheureusement, une balle perdue toucha un des générateurs auxiliaires qui fit exploser le wagon. Nous avons donc rebroussé chemin et trouvé à proximité d'une carcasse de machine de guerre brisée
des corps moins abîmés que le reste des corps du tunnel. Nous avons donc placé une IEM afin de récupérer les dispositifs du mecha. Dans la direction du sud du complexe prométhéen que Doug avait récupéré finalement quelques mois plus tôt, on se rendit compte que les armées de Clorprotron, l'assemblée, marchaient sur le territoire de Myria Echo. Et il fallait faire attention, parce que l'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ami. Operations primed and ready. Bref, les protocoles d'extermination du Prix étaient prêts. Il est de notre devoir de nettoyer toutes les impuretés de la galaxie. Et nous le ferons sans hésitation. Le Xénofléau est la pire de ces impuretés. Nous activions donc les protocoles d'extermination pour nos unités, afin de les rendre plus aptes à affronter les créatures du Xénofléau et toute autre créature obscure. Quant à nos recherches dans le métro de l'Union, nous avons finalement réussi à récupérer un relais de projection du corps. Maigre récompense pour le temps perdu dans ces tunnels, mais on allait faire avec. Par la suite, nous nous dirigeons vers l'ouest afin de chasser les autonomes d'un puits de cosmite qu'ils tenaient depuis un bon nombre de temps. De son côté, Doug découvra un nouveau site anormal sur lequel enquêter. Je demanda à nos robots de soutien de retourner près des capitales déjà explorées afin d'y placer des écrans de déploiement, une sorte de station de surveillance, afin de savoir ce que manigancent les autres factions. Et il semblerait que notre ancien ami se soit totalement retranché dans sa ville, dernier rempart de son empire. Dommage pour elle d'avoir rompu son alliance. La voilà complètement perdue et seule. Avant d'attaquer le puits de cosmite, nous attendions des renforts de nouvelles unités mécaniques. Nous allions enfin pouvoir tester nos chars laser sur le terrain. Enemy neutralized. Enemy destroyed. Enemy destroyed. Enemy down. Enemy killed. Tout se passa pour le mieux. Nos nouvelles armes incendiaires, nos tanks laser, nos unités du paragon, testées et parfaitement fonctionnelles. Our forces are victorious. Nos rivaux n'ont plus qu'à bien se tenir. Autre souci que nous avions à régler, qui tenait depuis un moment, nous avions un petit groupe de membres du Psi-Umbra qui gérait une faille près de la ville de Pyphorix. Et je pense qu'il serait peut-être grand temps de les éliminer. Demanda donc à la sécurité de la ville d'aller s'en occuper elle-même. Nous trouvions trop loin pour faire le déplacement. Déplacement que nous serons bien obligés de faire pour stopper l'avancée de nos Drax et de son Néofléau. Nous utiliserons sûrement des relais orbitaux afin de téléporter nos groupes de la capitale directement jusqu'aux frontières ennemies. D'après le rapport, les membres du Psi-Umbra qui sévissaient près de notre ville étaient des Kiro, manipulateurs de Psi-Umbra. Après les Kiro, manipulateurs de Néofléau, nous avons ceux qui manipulent les ombres. Cette race a finalement toujours été un vrai fléau. Elle aurait dû rester enchaînée, au moins nous les maîtrisions, et elles avaient un autre but dans la vie que de tout détruire. Mais tant bien que mal, ce sera donc à nous, les Prométhéens de l'avant-garde, de corriger cette erreur du passé.
operations available. Enemy annihilated. Enemy neutralized. Enemy annihilated. Enemy neutralized. Enemy down. Unit lost. Enemy killed. Our forces are victorious. Après la victoire de nos asservices sur le Psyumbra, j'ordonna directement une opération de suppression de danger sur la déchirure abyssale, afin de rendre à cette région toute sa sécurité. Puis je me dirigea moi-même avec mes hommes à la station orbitale la plus proche, afin d'être présent moi-même au plus près de la zone de litige. Puis là, petit message amusant pour bien finir cette entrée. Sina Pax elle-même qui revient en rampant me demandant un pacte défensif. Évidemment, je l'ai envoyé se faire boire. Une fois la bonne blague passée, je m'orienta vers nos amis du syndicat qui se trouvaient un peu plus au nord de la ville afin de les aider à repousser un petit bout de spacer pour le compte une nouvelle fois du paravent. De son côté, Doug, sur le site de recherche, avait trouvé une ancienne forge d'oire. Il avait besoin de cosmite apparemment pour payer une porte. En ce cas, je lui passa les ressources qu'il fallait, vu que de la technologie d'oire nous serait bien utile. Voilà plus de 8 ans que nous sommes sur cette planète. Bien que la majorité des autres occupants de la planète nous soient hostiles, nous avons réussi à éviter des conflits trop meurtriers et réussi à récupérer grand nombre de technologies anciennes. Nous avons encore beaucoup à découvrir sur ce monde. Il reste encore de grandes zones d'ombre et surtout de grandes menaces. Travis Exhunter, entrée numéro 4, terminée.